Eh bien bonjour tout le monde, c'est Limit Coupaille. Aujourd'hui nous sommes de retour sur... Enfin, de retour n'importe quoi. Pour vous ça fait quelques Sora, jours, je voire dois l'aider. Un jour, mais pour moi sincèrement ça fait très longtemps. Ou pas. Oh! Connard de merde. Connard. Ah mais il est même pas mort. Ça y est, faut mourir mon frère. Allez, revenez au cheval. Sora les a piétinés. Bravo, mon grand. Ouais, bravo, Sora. Là, on peut se faire plaisir à être le fantôme de Tsushima. Contrairement à Tsushima, où on n'a pas trop le droit parce qu'on a sauvé notre oncle. Et que... T'as pas d'honneur, fille de pute. Bref. Sora ? Je suis là, mon grand. Est-ce que ça va ? J'ai cru t'avoir perdu. Mais j'aurais dû savoir que tu n'abandonnerais pas. Bah oui, c'est Sora quand même, c'est notre cheval édition de luxe numérique, quand un peu de respect. Les Mongols, je veux que tu le refasses. Ah. Oh, j'espère que ça c'est un truc qu'on pourra faire à Tsushima, parce que sincèrement, oh, ça va être tellement classe. Donc maintenez elle. Hein. Et puis en même temps, ça pourrait nous faire courir tellement vite que bon. Ah, la charge montée consomme progressivement votre détermination une fois votre... D'accord. Ça paraît logique, j'imagine. C'est bon de te retrouver, mon grand. Quelqu'un a des ennuis. Nous devons l'aider. Hop. C'était les derniers. Oh, attends. Hop. Voilà, on le sauve le monsieur. Par deux fois, tu m'as sauvé la vie. Comment ça deux fois? Je vous en prie. Je m'en rappelle pas. Je vous suis reconnaissant à tous les deux. Tout doux. Bravo, mon grand. Allons-y. Cette île a besoin de nous. Ah, un ami perdu. Oh! Ouais, bah là, ça va être facile de faire agrandir notre légende, j'imagine. Bon, du coup, maintenant qu'on a sauvé Sora, qu'est-ce qu'on peut foutre? Ah. Ah. Ah, du coup, ok, on va vraiment pouvoir le faire pour toujours. Ouais, là, c'était, il fallait continuer l'île normale. Ah bah ouais, si ça réduit, je suis désolé, hein, mais on va se faire plaisir. C'est beaucoup trop important. Bon, attends, par contre, c'est vrai qu'on a même pas... Le journal, cri de l'aigle. Allez. Allons aux forces Sakai. D'accord, fallait vraiment monter. Ah là là. Bon bah du coup il va bien notre petit cheval édition de luxe numérique. Ah. Ah putain ouais. Si
si vous êtes des joueurs PlayStation Plus Extra Premium, vous pouvez avoir. Ta gueule, toi. Merci. N'approchez pas de l'ancien fort des samouraïs. Ah ouais, pourquoi? Venez-vous du fort Sakai? Oui. Les Mongols le tiennent. Oh putain, on va les enculer. Les hurlements nous maintiennent éveillés. Vous êtes libres. Allez en lieu sûr. Merci, étranger. L'étranger, c'est mon fort, enculé. Force à Gaïa. Toujours debout. Il est aux mains des Mongols. Ouais. Ok, là c'est faux. Oh putain de merde. Non mais y'a trop d'ennemis là, y'en a trop. Mon dieu. Bon attendez. Toi dégage. Voilà. Ah, le fils de pute. Vite, 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 vite. Ah, j'ai peur. Eh merde! Je n'ai aucune race. Ah, sa mère. Ouais non là ça y est on va mourir hein. C'est... Putain de sa mère ils avaient pas déconné en disant que ça allait être dur hein. Pour
Ah ouais, mais ils sont trop nombreux. Allez, viens là, papa. Oh putain de merde. Allez, sera en taille. Oh merde. Ah. T'es où? Non mais lâchez-moi, merde, c'est quoi ce harcèlement? Oh sa mère. Ah bah là. Wesh. Ah. Vous savez quoi, moi je voulais la jouer bourrin. Bon, le j'ai compris. Le toujours oh, debout. Oh, il est aux mains des Mongols. Come Tarak to join. Oui, bah bien sûr. Sale fils de pute de jeu d'enculé de merde. Oh merde, c'est vrai. Parce qu'on est parfait. Merci. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on n'a plus aucun putain de moyen de retourner sur l'île principale. Quoique, je sais pas, on va tenter. Hein. Ah. Je... Ah. En fait, c'est pour l'instant qui m'énerve le plus. Parce que ça prouve qu'on peut, mais pas tout de suite. Bon, ok, vous savez quoi? Tuez vos ennemis plus vite, effectivement. C'est fin. Oui, la santé. Tiens, dans toi. Oh oui. Voilà, on va prendre tous les trucs qui éliminent Reston. Ouais, mais vraiment, ma vue. Non. Et toi, on va te laisser comme ça. Maintenant, la tenue.
fort, Sakai. Toujours debout. Il est aux mains des Mongols. Allez, y a, on a l'infini. Les guerriers se déchaînent à l'appel du chaman. Enculé de fils de pute. Il a brûlé son pote. Oh, attendez. Oh, mon pote. Hop, si ça me fait gagner de la détermination en plus. Hein. Ouais, bon. Merde. Oh, sa mère. Ok, vous savez ce qu'on va faire. Hop. On va rentrer à l'intérieur du fort. Je m'en branle. On va rentrer à l'intérieur du fort. Et on va tenter de récupérer 2-3 trucs. Merde. En fait, c'est chiant, on peut même pas esquiver. T'es qui, toi ? Insister à la même chose sur Tsushima. Merde. Et le pire, c'est qu'on peut même pas retourner sur Tsushima. Ah, ça y est, enfin. Bon, est-ce que c'est un game over ou c'est scénarisé? Non, parce que sincèrement, si c'est scénarisé, tant mieux. Hein. Mon dieu, enfin. En vrai, ça se peut que c'est un énorme écran de game over. Hein. Non, je crois pas. Oh mon dieu, non. J'espère au moins que vous allez couper si vous devez lui couper la tête. Non, c'est fait exprès. Putain, et quand même, ça a pris... Alors l'aigle, c'est fou. Putain, ça a pris son temps hein, pour nous mettre du scénario. Fallait faire 3 game over. Aux éclaireurs sur Tsushima. Je les ai abattus. Kotun Khan est mort. Nous avons vaincu son armée sur Tsushima. Dès demain, un millier de samouraïs me rejoindront sur les côtes d'Iki. Là, j'y crois pas trop. Rendez-vous. Et nous vous épargnerons. Le voyage t'a éprouvé. Il y aurait plus simple pour me tuer. Je ne fais pas de mal à mes invités. Vous donner mon remède sacré.
Économise tes forces. C'est la partie facile. Vous ne me briserez pas. Tu es brisé depuis longtemps. Je libère ton esprit pour qu'il entre dans le sourd. Affronte le jugement de feu des ancêtres. C'est quoi ce bordel? Heureusement que je suis entêtée et que j'ai trouvé un bateau rapidement. Je crois que c'est faux. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Je crois que c'est faux. La tribu de l'aigle. Elle m'a fait boire une sorte de poison. Trouvons de quoi te soigner avant qu'ils reviennent. Mon katana était là. Essaie de retrouver tes affaires. L'aigle et ses mongols. Où sont-ils ? J'ai allumé un feu à l'extérieur du camp. Ils sont sortis l'inspecter. Je suis sûr que c'est un truc faux. Je suis sûr qu'il est toujours empoisonné, Jean. Très bien. Allons-y. Par ici. Après tout ce temps... Le Fort Sakai tient toujours. Tu connais cet endroit ? Mon père l'a bâti. Ah ! Mais oui. Est-ce que quelqu'un sur cette île résiste à l'invasion mongole ? Pas à ma connaissance. Pas encore. Alors, tu n'as pas d'alliés ? Non. L'île d'Iki est le clan Sakai. Trouver du soutien sera difficile. À cause de ton père. Aide-moi à ouvrir cette porte. Ok, ouais, il est empoisonné, il y a plein de preuves. Quand les autres samouraïs arrivent-ils ? Faut vraiment les voir l'œil, et je me dis qu'il y a que sur... Personne. Pas même au seigneur Shimura. Ton père est-il mort dans ce fort ? Non. Enfin, je sais pas, mais il y a trop de trucs qui me prouvent que c'est faux. Lui. Que là, c'est juste un rêve. Par où ? Il y a un ravin après la cour. On peut sortir par là. Intéressant. Je te suis. Perdre ton père dans cette attaque. J'ose à peine imaginer ta souffrance. Parfois, j'en souffre encore. Essaie de descendre. Qu'est-ce que tu vois ? C'est pas sa voix. Voilà, la pluie est encore empoisonnée. N'as-tu rien fait ? Ça s'appelle Kazumasa, son père ? Père... Tu l'as laissé me tuer. Je voulais vous sauver. Tu as vu ton père mourir. Ouais, voilà. Ce n'est pas normal. Empoisonné. Pour ouvrir ton esprit, ces visions ne sont que le début. Sans mon aide, la peur et la peine t'accableront. Laisse-moi te guider dans la tourmente, te délivrer de la culpabilité, t'apporter la sérénité, comme je l'ai fait pour tous mes chamans. Ensuite, nous asservirons l'île. Et achèverons l'œuvre de ton père. Aide-moi à vaincre les pirates d'Iki. Venge la mort de ton père. Non ! Jin !
suis-je? Dans ton enfant. Jin, tu m'entends? Père? Mon pauvre, tu as perdu ton père et voilà que tu perds ton âme. J'arrive, père! Kazumasa avait des doutes sur ton compte. Et il avait raison. Quel genre de samouraï regarde son père mourir? Après la mort de mon père, nous avons ramené son corps en bateau. J'espérais mourir noyé. Il est tendre, maladroit. S'il meurt au combat, l'avenir de notre clan est compromis. Ton père ne voulait pas de toi, Suriki. Tout ce que tu fais ternit le nom des Sakai. Vous mentez! Jin! Viens vite! Père, j'arrive! C'était un piège, tendu par des voleurs et des tueurs, pour détruire le clan! Père! Oh putain... Cours, Jin! Nous y sommes presque! Tu as laissé ton père mourir. Non! Putain, c'est... Que ta mort profite à tous les êtres. Oh. Père. Est-ce que ça va? Tenzo, c'est qui lui? L'aigle. Elle n'est pas loin. Allons-nous-en, je connais un endroit sûr. C'est toujours faux. C'est toujours faux, on va juste revoir le passé de Jin. Ça va clairement être ça, il dit qu'on va juste voir le passé de Jin. Tu n'avais pas l'air en forme. Je t'ai laissé dormir. Qui es-tu? Réponds-moi! Tu t'adressais peut-être ainsi aux gens sur Tsushima. Mais pas ici, samouraï. Je ne sais même pas si tu es réel. Dégaine ton sabre. Viens constater par toi-même. Si tu viens, Diki, tu sais qui a gagné la bataille de la forêt des nuages. Il a plu 2 semaines durant avant cette bataille. Une crue subite a tué les samouraïs et les insulaires. On a tous perdu. À mon tour de poser les questions. Que fait un samouraï sur l'île d'Iki? L'aigle a envoyé des éclaireurs sur Tsushima. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait à mon peuple, j'ai décidé de les arrêter. Alors tu as vu ce que faisait son poison? Pire que cela. Elle m'en a fait boire. Et tu peux encore tenir une conversation? Cela tient du prodige. Quand les effets s'estompent-ils? De ce que j'en sais, jamais. Ce poison ne m'arrêtera pas. Depuis quand les Mongols sont-ils là? Quelques semaines. Ils ont tué presque tous les pirates. Seul mon équipage résiste encore. Je peux vous venir en aide et chasser l'aigle d'Iki. Un samouraï aidant les pirates. Si ça peut arrêter l'aigle. Quel est ton nom? Jin, de Yarikawa. Je vais réfléchir à ton offre. Jin de Yarikawa. Ne crois pas m'échapper si facilement. Je dois trouver d'autres survivants, et tu dois reprendre tes esprits. Rejoins-moi à la ferme sur la côte ouest de l'île, et nous reparlerons. Si le poison de l'aigle ne t'a pas brisé avant. Aucun risque. Non. Personnellement, je pense que c'est faux. Je pense qu'on est toujours empoisonné. Mais... Ou au pire des cas, il nous a pas donné un poison ultra puissant pour qu'on puisse... Vider mon esprit. Je sais pas. Puis retrouver Tenzo. Ok, t'as même pas dit c'était quoi son blaze, mais bon. On va dire que c'est logique. Je ne peux pas laisser la tribu de l'aigle détruire cette île.
Tu fuis depuis des années. Ouais, voilà, c'était sûr. Tu n'as plus nulle part où aller. Ton cauchemar ne fait que commencer. Tu ne peux affronter seul la mort de ton père. Sans ma sagesse, ton esprit sombrera dans la folie. Ah, les visions. Je les ai toujours. Vous n'êtes pas d'ici. Hop. Les chats d'ici me détestent. Je leur donne. Lui, il est sorti de nulle part. Et il a éliminé trois gardes à lui tout seul. Oui. D'accord, donc là c'est un territoire où on ne peut pas y aller tellement c'est fort. Du coup, ouais, faut aller là. Ah, ok. Et eh ben allons-y, non. Merde. On peut pas charger. Katayama. Ils m'ont vu. Pauvre enfant maladroit. C'est de pire en pire. Non, n'écoute pas. Voilà. Ils m'ont vu. Oh putain de merde. Oui, bien sûr, ils peuvent tirer jusqu'ici. Bon, où est-ce qu'on doit aller, nous, déjà? Ok. Ouh, ça va être chiant. Ça va être très très chiant, Lily, je le sens. Ah, que me faut-il d'autre? Qu'est-ce que tu as l'impression que tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je ne ferai pas. Brûler ma maison.
Ah. Si je n'en construis pas une autre, je dormirai dans l'herbe. Personne ne peut t'aider? Tu n'as pas de famille? Je n'ai plus personne. J'ai perdu mes parents il y a 15 ans, je crois. Ah merde. J'ai toujours dû me débrouiller seul. Et aujourd'hui, je dois le faire en partant de rien. Ah, ne me regardez pas comme ça. Tout le monde a une histoire. Dans la mienne, je n'ai pas suffisamment de poids. Je devrais pouvoir t'aider un peu. Vous êtes sûr? Alors soit, je l'accepte. Je construis une maison. Espérons que les Mongols ne la brûlent pas, celle-là. Je devrais pouvoir t'aider à ce niveau aussi. Il me tarde de voir le résultat de ton travail. Oh, je ne la construis pas ici. Je recherche des matériaux. Mais merci. Ah d'accord, donc c'est là que la maison va être construite. J'apporterai ça sur place. J'ai encore du mal à le croire. Eh ben, je crois pas alors. Bah oui, c'est logique, hein, il ne le croit pas et puis c'est bon. Bon, il est où Tenzo, la merde. Ah, ok, il est au-dessus. Ah, bah... Jin de Yarikawa. C'est pas trop voir. Ouais, qu'est-ce que t'as à me dire? Que s'est-il passé? J'avais des amis dans cette ferme. Oh. J'espérais qu'ils se joignent à nous. Mais ces ordures de Mongols m'ont devancé. Le moins qu'on puisse faire, c'est les enterrer. Je ferai vite. Je vais t'aider. Non, tu n'as pas à faire ça. Je sais. Mais je le veux. Alors, prends une pelle. C'est pas du genre religieux. Je suis plein de surprises. Tu as dit que tu me mènerais peut-être à ton groupe. As-tu pris une décision? Ça dépend. Le poison de l'aigle t'affecte toujours? Oui. Mais il ne m'affaiblit pas. Mène-moi à ta bande d'amis pirates, et je te prouverai que je peux me défendre. Très bien, samouraï. Nous avons du chemin à parcourir. Ne lambine pas. Où est-ce que tu m'emmènes? À une ancienne forteresse pirate. On l'utilisait pour échapper aux samouraïs. Aujourd'hui, elle nous protège des Mongols. Tu n'as pas peur de conduire un samouraï à votre repère secret? Bien sûr que si. Mais on a besoin de toutes les armes disponibles. Sois prudent quand on sera là-bas. Depuis l'invasion des Sakai, les samouraïs sont encore moins appréciés que des serpents venimeux. L'invasion des Sakai? Le fléau d'Iki et sa bande croyaient pouvoir restaurer l'ordre et la loi sur notre île. Dans leur rêve. Mais on a quand même perdu beaucoup de monde. À ce qu'on m'a dit, aucun camp n'était innocent. On pourrait dire ça. Je n'ai jamais vu de guerre naïve. Il y a un accès caché à la forteresse un peu plus loin. Des Mongols. Ils ont trouvé l'entrée. Voyons ce que tu sais faire avec cette lame, samouraï. Qui veut m'affronter? Yumhige Samurai!
Nous n'entrerons pas par là. C'est signé Fune. Si un étranger nous repère, on bloque les entrées et on tue les témoins. Sans aucune exception. J'espère qu'elle est plus accueillante avec les invités. On le saura bien assez tôt. Connais-tu un autre accès ? Oui, par la mer. Il y avait un chemin autrefois. Je ne l'ai jamais vu. J'ignore s'il existe encore. Ça vaut le coup d'essayer. Combien de samouraïs cet homme a-t-il tué ? Te rappelles-tu le serviteur de ton père ? Sa gorge fut tranchée dans son sommeil. Son sang déversé dans ta tente. Silence ! Jin, tout va bien ? Oui. J'entends parfois la voix de l'aigle. Tu veux dire qu'elle peut lire dans ton esprit ? Non. J'entends mes pensées. Des choses que je pense malgré moi, avec sa voix. Espérons qu'elle se taise. Je comprends pourquoi les samouraïs n'avaient pas trouvé ce repère. La seule forteresse d'Iki qui ait survécu à l'invasion des Sakai. Espérons qu'elle résiste aux Mongols. On ne passera pas. Trace ta propre voie. Les samouraïs disent toujours ce genre de truc. Les pirates commandent-ils tout ? Les samouraïs disent toujours ce genre de truc. Les pirates commandent-ils tout ? Les samouraïs disent toujours ce genre de truc. Les pirates commandent-ils tout ? Pas mal. Ce truc pourrait m'être utile. Un grand forgeron de Tsushima me l'a offert. Allez à Tsushima ? Non, merci. Simple contretemps. Cherche un autre chemin. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, eh bien, au revoir tout le monde.